Salut, salut! Bienvenue pour le Bonjour. numéro 84 avec Monsieur Go, qui vous souhaite Oui, bien le tout-tif. bonjour. Dans ce numéro, nous avons une figurine Mechanicus, donc le maréchal Skitarii, qu'on peut voir. Je connais plus son bureau avec Gogo. Je vais bouger ça peut-être. Gogo, il va pas bouger, il va rester là avec nous. Il n'a pas envie de bouger, pâté. On se sert du choix. Son fourrure. Voilà pour la Hop, grappe. voilà. Hop. Donc figurine à coller qui fait 25 euros chez Games Workshop. Hop, voilà, juste avant. Et c'est un soc de 32 mm. La figurine était sortie en 2021. On va voir ici. Ok. Vous le voyez, c'est toujours pas monté. Donc le 84, comment qu'on va faire? Allez, monsieur Go, bougez votre petit Hop, cul, merci il nous donne des poils en cadeau. de votre contribution. Voilà, il votait, je vais dire voter pour liker, partager, aimer, et il y aura plus de choses qui vont venir. Voter pour, oulala. Oh, purée. Là, j'ai en plus, je crois savoir chaud que le pull. Donc, le maréchal Skitarii, qui est un officier cybernétique, qui me fait bailler. Pardon. Donc, on a une arme, une serpentine à radium. Oui, pourquoi pas. Ici, le genre de gros pistolet. Le cervo-crâne, donc le petit squelette ambulant qui le suit, qui peut prodiguer des fois des conseils ou qui permet de communiquer avec les autres trucs. Sceptre de contrôle, qui peut servir de masse énergétique, ou pour neutraliser les augmétiques des Skitarii, garantissant leur loyauté. Bibliothèque avancée, etc., etc. Donc s'il n'y a plus grand-chose d'humain, généralement les mécanicus, hein, Il y a plus de mécanique que ils étaient peut-être humains à la d'organique. base, mais ils ont tout retiré ce qui était non essentiel, on va dire. On peut, comme à chaque fois, lui mettre un nom, un titre et l'information de son équipement. Je me rends trop clair. Les Aldéris, la voix des Azuriani. Alors, les Azuriani, je ne sais plus trop ce que c'est. Les habitants des vaisseaux mondes, en fait. Ils sont appelés les Azuriani. Donc la chute, hein, alors la chute c'est quand leur monde y a été détruit, que la neige a pris vie en fait, hein, c'est ça qui fait en sorte que les Eldar sont partis en vaisseau monde, enfin, leurs vaisseaux monde sont partis après. En vaisseau monde, je suis parti en vaisseau monde. Oui, bon, Tu n'as voilà. pas appris bien ta leçon, Oui, je vois ça, monsieur. j'ai Vous pas une bonne avez note. 2 sur 20. Ouf, Quand même. mince. Faut réserver. Révisé, tu n'as pas Putain. bien préparé les deux sera toi Moi, aussi. c'est de naissance. Pas con. Donc avec la chute, donc la fin de l'Empire Eldar, qui a vu l'apparition de Slaanesh, ils sont partis en. Mais ce monde. ils sont partis en excursion en. Ah, comment on dit? Ceux qui partent, qui sont exclus de chez eux, par exemple, doivent partir. Exode. Voilà, en exode. Merci de ta contribution, je te rajoute des points. Ils sont Point, partis point, en exode, hein, point. pour survivre, quoi. En errance. Donc on voit la voix de l'errant, la voix du guerrier et la voix du prophète. Donc les prophètes, c'est leur chef. Ensuite, l'histoire, le Magneto Primus. On voit des Mechanicus et des Genestellaires. C'est un monde industriel, du coup, qui a dû être une flotte riche, une flotte tyrannique, une flotte riche, voilà. Qui entre en orbite et qui déclenche une invasion. Il y a des cultes Xenos qui ont fait en sorte de bien préparer le terrain avant. Alictor. Ici un onagre, on dirait un crabe, ce truc, c'est. Onagre. Ouais, c'est le véhicule, c'est ça. L'onagre, c'est une plante. Là, je sais pas. Tu peux faire de l'huile d'onagre. Ok, bah, voilà. C'est un anti-inflammatoire. Ça Ok. n'a rien à voir, mais bon, ça me fait penser à ça, du Voilà, coup, bah, si onagre. vous en voulez, voilà. Et appelez tes numéros, puis on vous en envoie. Donc, c'est des tanks. Ça me fait Listo. penser à Papa. le film qu'on avait hier, la partie 2 de Rebel Moon, où les tanks Oui. ils avaient Ah oui, allez, des pattes papate. comme ça. Tout. Vous avez des papates de Ah, Michaud, oui. vous avez des papates. Donc, les Skitarii. On peut aussi des petits topos. L'assemblage du maréchal Skitarii. Figurine qui sert un petit peu de chef d'unité. Du Skitarii, on a vu les chars, on a eu lui, on a eu les troupes. On a eu un Magnus, un chef. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas eu beaucoup de Skitarii, il me semble. Non, ouais, on n'en a pas eu beaucoup.
sort de bataille, on a l'équivalent d'un starter en fait. Les Mechanicus, on a eu lui, le Skitarii. On a eu les trois véhicules, enfin les trois véhiculés là, les 10 figurines à pied, le Technoprète et le Technoprète ingénieur. On a eu ça en fait. Ça fait même pas la boîte, la peau de patrouille. Ouais. Enfin, ça fait une petite base pour démarrer. Donc la peinture, toujours thématique rouge, en planète de Mars également. Les règles de. Bah de. Ah non, ça c'est les traits de seigneur de guerre. Différents tutoriels et la fiche technique de maréchal Skitarii. Avec ici derrière ses utilisations spécifiques. On est arrivé à la cinquième partie de la campagne avec le siège de Typhos. Il est toujours sur. Ouais, que deux tapis, c'est-à-dire quatre tapis, il y en a deux. Il n'y a pas beaucoup de troupes en 50. On voit aussi, plus la puissance est élevée, plus le terrain est grand, c'est parce qu'il faut plus de figurines. Et à contrepartie, plus la puissance est petite, plus le terrain peut être petit. Le 85, on a un destroyer Exmark, un écran. Et le 86, 87, 88, 8. il y a 89, on a un Regnum Predator complet, hein, du coup, avec les différents armements possibles et tout le bazar. Dans Conquest, on avait un Dreadnought, mais il était en easy to build. Il était sorti du numéro et il était en clipsable. On n'avait pas trop le choix du montage. Là, on a vraiment le kit complet. On filmera du coup le 86, 87, 88 plus tard, parce qu'il manque encore le 88. Donc, j'attends de tout avoir pour filmer les trois d'un coup. Donc, voilà ce qui faisait le numéro 84. Et on passera après au 85. Du coup, on aura fait mes mises à jour. Ok, moi j'espère que ça vous a plu et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!